Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. L'axe Cotonou-Paris renforcé. Le maire de Cotonou, Luc Setondji Atropo, et celle de Paris, Anne Hidalgo, ont procédé ce jeudi à une signature d'accord. Un acte qui va booster la coopération entre ces deux villes dans le domaine culturel. Les détails et la portée de cette signature d'accord dans un instant. Et pendant ce temps, la commune de Grand Popo abrite un atelier d'implémentation de la politique nationale en matière de promotion de l'emploi et de la maîtrise du chômage des jeunes. C'est une initiative du réseau décentralisation gouvernance locale et démocratie de l'Assemblée nationale. L'objectif de ces assises est de permettre aux parlementaires de saisir davantage l'approche du gouvernement en matière d'emploi des jeunes. Et de son côté, la société de gestion des déchets de la salubrité SGDS étend ses services à d'autres communes du Bénin. Après celle du Grand-Okoué, Parakou accueille une représentation de la société qui aura pour tâche la gestion moderne des déchets et de la salubrité dans la commune de Parakou. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à vous, bonsoir. Le maire de Cotonou, Luc Setondji Atropo, et celle de Paris, Anne Hidalgo, ont procédé ce jeudi à une signature d'accord, un acte qui va booster la coopération entre ces deux villes dans le domaine culturel. La cérémonie a eu lieu à la mairie de Cotonou. Nous allons suivre. Cette signature et échange de paraphes consacre la naissance d'un accord bilatéral entre Paris et Cotonou. Un acte fort qui vient faciliter le même langage entre ces grandes villes dans les domaines de la culture et des arts. Je veux vous dire que cet accord bilatéral entre Paris et Cotonou est un très bel accord. C'est un projet de partenariat qui est à l'œuvre. On a évidemment construit ce projet sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont des sujets d'échange. Je tiens vraiment à le dire, dans cet échange, c'est de part et d'autre qu'on échange. Et Paris a beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre aussi de Cotonou. Le respect de cet accord va permettre de solutionner les différents problèmes qui entravent le monde culturel au Bénin. Le maire de Cotonou, Luc Setondji Atropo, exprime toute sa satisfaction. Nous sommes sûrs avec Paris, va forcément avoir un sens. Le point d'arrivée qui a caractérisé le travail, je crois que nous sommes partis sur des esquisses qui demain nous donneront raison. Je suis fier et content de cette signature avec Madame la maire Anne Hidalgo. Je voudrais lui dire à nouveau merci. La signature de cet accord intervient dans le cadre du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones qui se poursuit jusqu'au 14 octobre 2023. Présente au Bénin depuis hier dans le cadre du congrès de l'Association internationale des maires francophones, Anne Hidalgo a tenu ce jour à la mairie de Cotonou une rencontre avec les femmes de la ville. Le but de cette séance est d'échanger sur la question du leadership et de l'implication de la jeune féminine dans la politique. Reportage. Quelle est la place qu'occupe la femme sur l'échiquier politique national? C'est de ce sujet que la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est entretenue avec les femmes. Pour la présidente de l'Association internationale des maires francophones, ces dernières doivent s'intéresser aux fonctions publiques, notamment celles relatives à la gestion de la cité. Parce que quelque chose nous avait beaucoup frappé. Souvent, comme les femmes arrivent, sont plutôt nouvelles dans l'exercice des pouvoirs, que souvent quand elles arrivent, elles se confrontent à la difficulté des choses. Souvent, elles font un mandat et elles arrêtent, parce qu'elles se disent c'est trop dur. Et nous, le souhait que nous avons, les femmes, c'est de dire, il faut qu'on arrive à transmettre, que les femmes arrivent à transmettre à d'autres femmes aussi cette envie de s'engager, notamment dans les municipalités, pour pouvoir avancer et pour qu'elles puissent tenir dans la difficulté des choses et de l'exercice de ses responsabilités,
Il faut bien sûr qu'on puisse s'organiser, nous aussi, comme se sont organisés d'ailleurs les hommes depuis très très longtemps. Cette occasion a été saisie par la présidente de l'Institut national de la femme pour évoquer les progrès réalisés par le Bénin sur le plan de la promotion de la femme. Extrait. Quelques de les grands progrès qui ont été réalisés en matière de promotion politique et économique féminine au Bénin et qui est le fruit de l'expression d'une volonté politique affirmée, assumée, suivie d'actes concrets. En matière de présence des femmes dans les sphères de décision et en politique, je crois que nous savons tous que nous avons, une vice-présidente de la République, que nous avons une présidente de la Cour des comptes, que nous avons des femmes à la tête des ministères jouant un rôle clé dans la promotion du leadership féminin, politique et socio-économique. Je veux citer le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le ministère en charge du commerce, le ministère en charge de la fonction publique et du travail, le ministère en charge du numérique et de la digitalisation. Au niveau du Parlement, nous nous réjouissons de la présence de 26,60% de femmes à la faveur d'une mesure temporaire spéciale qui a été insérée dans la loi électorale à la suite de la modification de notre constitution. Pour le maire de la ville de Cotonou, cette rencontre entre la présidente de l'Association internationale des maires francophones et les femmes est un programme inédit dans l'agenda des congrès de l'AIMF. Madame le maire de Paris nous a dit de m'écouter. J'ai lu tout le programme et à aucun moment j'ai trouvé une place pour les femmes de Cotonou. J'avais été intellectuel obligé à leur témoigner parce que dans les autres villes où nous passons chaque année pour la IMF, nous avons un problème qui est connu, un carnaval qui est connu, etc. C'est vrai, c'est la première fois qu'elle vient au Bénin, elle a un amour particulier pour le Bénin ce matin, c'est-à-dire avec une fillette qui est devenue fille, qu'elle paraît. Lors de cette séance, des conseils ont été prodigués aux femmes de la ville de Cotonou sur les démarches à accomplir en vue d'occuper d'importants postes de responsabilité sur le plan politique. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Toute l'équipe s'affaire pour vous donner une meilleure qualité dans nos prochaines éditions. Il faut préciser qu'en marge du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, l'Association nationale des communes du Bénin et l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti ont signé une convention pour dynamiser leur collaboration. C'était en présence du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. La signature a eu lieu au siège de l'ANCB dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici l'acte qui matérialise le partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Cette signature de convention entre les deux fêtières est l'une des activités marquant la 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones qui se tient au Bénin. Les actions de partenariat prévues à l'article 1er de la présente convention portent sur les domaines suivant. Le renforcement des capacités institutionnelles des deux associations et des administrations des collectivités locales. La coopération décentralisée. La mutualisation des interventions des partenaires. Le centre de ressources documentaires et le développement des synergies des initiatives des deux associations. Nous comptons sincèrement sur M. Atropo, sur l'association qu'ils président, pour qu'ils nous apportent leur savoir-faire, qui est important. Et ils ont l'expérience que nous n'avons pas. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est comme ça qu'aussi la coopération sud-sud va naître. Pour votre information, c'est la première convention que nous signons. C'est parti pour 5 années de collaboration renouvelable entre l'ANCB et l'ANCLD. Le secrétaire permanent de l'AIMF
a facilité cette signature de convention entre les deux associations. C'est le moment pour le président de l'ANCB, Luc Setondia Trokbo, d'exprimer toute sa gratitude aux parties prenantes. Monsieur Laïe, une fois encore, merci pour tout. Nous avons eu le temps de nous côtoyer et je crois que nous avons raison de signer aujourd'hui ce document qui donne un nouveau point de départ à nos relations. On est véritablement dans un alignement de planètes qui est excellent et qui ne peut que nous conduire de succès en succès. La balle est dans votre camp, messieurs les présidents. Vous savez qu'on sera toujours à vos côtés, derrière vous, mais vous serez toujours devant et c'est vous qui donnerez le là. Je vous souhaite bonne chance dans cette grande aventure de la coopération décentralisée. À côté de cette signature de convention entre l'ANCB et l'ANCLD, les maires des communes de Koundé au Bénin et d'Alice Abiyé à Djibouti ont également scellé un partenariat de coopération décentralisée. Je l'annonce en titre, ouverture ce mercredi à grand propos d'un atelier d'implémentation de la politique nationale en matière de promotion de l'emploi et de la maîtrise du chômage des jeunes. C'est une initiative du réseau Décentralisation, Gouvernance locale et démocratie de l'Assemblée nationale. L'objectif de ces assises est de permettre aux parlementaires de saisir davantage l'approche du gouvernement en matière d'emploi des jeunes afin de jouer convenablement et pleinement leur partition. Nous allons suivre. Je déclare ouvert ce mercredi 11 octobre 2023 l'atelier d'échange et d'internalisation de la politique nationale de l'emploi et les diverses mesures gouvernementales relatives à l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle. Que fait le gouvernement? Quelle stratégie et quelles actions concrètes met-il en œuvre face aux épineuses questions de l'emploi des jeunes? Telle était la préoccupation au cœur de cet atelier de deux jours. Il réunit justement les parlementaires, ici à grand propos autour de la politique nationale de l'emploi, dans la perspective qu'ils se l'approprient. Qui crée l'emploi. Et donc nous allons nous atteler, Monsieur le Président, au cours de cet atelier, à vous présenter dans un premier temps la politique nationale de l'emploi, puis ensuite les différentes mesures gouvernementales que nous appliquons. Nous espérons vous les présenter dans leur mise en œuvre avec les différents process que nous utilisons afin de vous permettre de mieux comprendre comment les mesures gouvernementales, les fonds que vous envoyez, les budgets que vous votez, comment ces budgets sont dépensés pour sauver les jeunes ou pour aider les jeunes à pouvoir s'insérer professionnellement. Et pour ce faire, il est prévu courant ces deux jours d'activité. Plusieurs communications suivies de débats pour permettre à chaque participant d'en savoir davantage sur l'enjeu et les caps fixés par le gouvernement. À charge pour eux d'en déduire quelle partition est la leur pour la jouer convenablement. Le présent atelier qui intervient à quelques jours de l'ouverture de la session, de la prochaine session budgétaire consacrée à l'étude du projet de loi de finances gestion 2024 est bien sûr salutaire, en ce sens qu'il permettra de nous intéresser davantage aux prévisions du gouvernement relatives à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et à plaider aux besoins pour le renforcement de la ligne budgétaire destinée à celle-ci. Il est important, nous sommes des parlementaires, et les parlementaires que nous sommes extrêmement préoccupés, puisque chacun de nous est concerné. Et nous ne voudrions plus que le poids du chômage, du sous-emploi, soit porté uniquement par une institution de la République. Mais il faut que les parlementaires puissent s'approprier quel est le contenu de la politique nationale de l'emploi dont je viens de parler et qu'on puisse regarder dans sa mise en œuvre qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour renforcer ou accélérer
et disons l'atteinte des objectifs. Initiative du réseau Décentralisation, Gouvernance locale et démocratie, avec l'appui de la Banque mondiale et du ministère chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Ces assises sont assurées en leurs aspects techniques par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, ANPE. Parlons à présent de la deuxième conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration. Au menu des assises, l'exclusion sociale et la migration des jeunes de l'Afrique, l'état des lieux et les perspectives. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée à Cotonou. Les détails dans ce reportage. Organisée par la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration, de concert avec le ministère en charge du développement, cette deuxième conférence internationale a réuni autorités politico-administratives, partenaires techniques, membres de la société civile et responsables d'ONG. Au cœur des débats à suivre, l'exclusion sociale et la migration des jeunes Africains, des phénomènes qui, d'après un rapport du PNUD, sont étroitement liés au niveau de développement des États. Et aujourd'hui, si nous nous réunissons ici, nous estimons que nous voulons partager les informations, les connaissances, et faire de telle façon que nous puissions avoir des tendances qui nous permettent de pouvoir dégager de bonnes pratiques et des solutions qui permettront évidemment de pouvoir faire face aux défis de la migration et de la pauvreté. En octobre 2019, le Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement avait publié une étude sur la migration intitulée « Au-delà des barrières, voie des migrants africains irréguliers en Europe ». Ce rapport, qui reste d'actualité, confirme que la migration irrégulière est la conséquence des faibles progrès de développement, lesquels ne sont pas assez soutenus et dont les gains sont inégaux et qui limitent les possibilités de choix des populations. Face aux défis imposés par la migration, le gouvernement béninois n'est pas resté passif. En témoignent les mesures prises et rappelées ici par le ministre d'État en charge du développement. Premièrement, le projet H, initiative de protection sociale dont le volet d'assurance maladie universelle est en cours de mise à l'échelle. C'est le projet le mieux connu de tous les Béninois. Ensuite, deuxièmement, nous avons le programme de protection des couches vulnérables. Troisièmement, le programme spécial d'insertion dans l'emploi qui concerne surtout les jeunes lettrés. Quatrièmement, le projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés. Le préfet du département des Collines apprécie cette réaction du gouvernement. Je salue cette vision du gouvernement et cette volonté d'accompagner, de travailler à ce que la migration diminue pour que régresse la pauvreté. Les travaux de cette deuxième conférence d'Ecopam s'achèvent le jeudi 12 octobre 2023. L'engagement police-communauté au cœur d'une rencontre stratégique entre les acteurs de la police communautaire, c'est pour faire le bilan de 5 années d'implémentation du projet au Bénin. Ils se sont donc retrouvés à Cotonou pour prévenir la propagation de l'extrémisme violent qui sévit déjà au Bénin. Reportage. 23 sites d'animation, de formation sur la police communautaire dans plusieurs localités autour des frontières du Bénin. Le bilan à l'actif du projet d'engagement police-communauté dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent au Bénin est salué à l'occasion de cette conférence. Une rencontre bilan tenue 5 ans après le démarrage en 2018 de cette initiative qui a vu le jour alors que la présence terroriste au Bénin n'était encore qu'une menace aux portes. J'espère que vous aussi, vous allez trouver des occasions pour partager des idées et vos expériences avec le groupe et avec d'autres participants présents ici, que ce soit de manière formelle ou informelle. Nous avons toujours considéré ce projet comme un moyen créatif, pratique et important de commencer à s'adresser à un problème extrêmement compliqué. En partenariat avec African School of Economics, la deuxième phase de ce projet a consisté à une formation intégrant les principes de la police communautaire au profit des agents de police, des unités spéciales de surveillance des frontières et de la communauté. Cette conférence est une occasion pour faire des contributions et l'amélioration
des rapports des agents des unités spéciales de surveillance des frontières et les communautés. Pour établir la confiance entre les populations et les forces de l'ordre, le projet a dispensé plusieurs modules de formation au cours des descentes en communauté. Des journées de dialogue fructueux entre agents de la police et membres de la communauté ont été organisées. Et les résultats sont déjà là, avec l'accroissement des interventions policières et l'enracinement de la confiance entre populations locales et forces de l'ordre. Le programme de police communautaire a été initialement conçu dans le cadre de la stratégie visant à prévenir l'extrémisme violent face à une menace terroriste dans la région. Le contexte a considérablement changé au cours des 5 dernières années et la stratégie de prévention s'est désormais orientée vers la lutte active contre les groupes extrémistes violents dans le nord du Bénin. C'est le lieu de saluer le partenariat entre University of Maryland aux États-Unis, African School of Economics et la police républicaine du Bénin. Mesdames et messieurs, honorables invités, la belle initiative du projet qui a consisté en la conduite de campagnes de sensibilisation au profit des jeunes des localités pilotes pour leur éviter de mordre à la patte des groupes armés terroristes mérite également d'être applaudie. À terme, le projet d'engagement police communauté d'African School of Economics, en partenariat avec l'Université de Maryland, veut parvenir à réduire la porosité des frontières et les disparités socio-économiques, ce qui va amoindrir le risque de recrutement des groupes marginalisés ainsi que des jeunes dans les mouvements extrémistes. 350 écoliers et élèves de 4 communes du département de l'Atlantique reçoivent des kits scolaires. C'est une initiative du PIS ONG soutenue par Caritas Allemagne et la coopération allemande. Une cérémonie qui a permis aux donateurs d'accompagner également des femmes en situation de vulnérabilité à travers des enveloppes financières pour leur permettre de développer des activités génératrices de revenus. Voici le compte-rendu de Teddy Goudalo. De Soava à Zé, en passant par Toribosito et Kwamase dans le département de l'Atlantique, l'organisation non gouvernementale PIS a fait œuvre utile à l'endroit de plusieurs apprenants du primaire et du secondaire. Il s'agit d'un don de fourniture scolaire à près de 350 écoliers et élèves vulnérables. Nous vous remercions pour les fournitures que vous avez offertes à notre communauté. Nous les élèves, nous les remercions beaucoup et nous les promettons aussi le travail absolu et déterminé. Ce que PIS vient de faire en dotant les enfants de fournitures scolaires et même de contributions pour les collégiens, ça va permettre aux enfants de continuer dans de bonnes conditions. Vous allez constater que PIS ONG n'est pas venu avec des kits tout faits, mais des fournitures personnalisées, des fournitures qui tiennent compte des besoins de chaque enfant. C'est très important pour nous. Caritas Allemagne et la coopération allemande sont les partenaires de PIS ONG dans cette œuvre humanitaire qui se perpétue annuellement. En plus des kits scolaires, des femmes en situation de vulnérabilité sont également appuyées financièrement pour davantage faire accroître leurs différentes activités. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Nous sommes très contentes de ce geste à notre endroit. Nous vous promettons d'en faire un très bon usage. Avec cette enveloppe, nous allons accroître nos activités. Merci de toujours penser à nous, femmes en situation de vulnérabilité. Dieu vous bénisse dans vos différentes activités. Nous appuyons les femmes dans le développement des activités génératrices de revenus, les femmes les plus vulnérables. Nous leur donnons une certaine enveloppe accompagnée par nos animatrices pour essayer de développer les activités génératrices de revenus parce que nous savons que lorsque les femmes ont un revenu stable, cela impacte positivement les enfants. Et la famille aussi. Donc voilà ce que nous essayons de faire. PIS ONG intervient dans 8 communes du sud Bénin.
elle s'est assignée la mission de promouvoir les droits humains, un développement harmonieux et intégral de l'enfant en se basant sur une stratégie participative et une approche communautaire. Parlons énergie électrique à présent avec le Millennium Challenge Corporation qui accompagne le gouvernement du Bénin dans son projet d'extension du réseau électrique. Le MCC vient de doter le Bénin en matériel roulant et des titres fonciers de sites de construction de centrales solaires photovoltaïques. Ceci pour permettre le suivi et l'intervention des équipes techniques de la société béninoise d'énergie électrique. Voici le compte rendu. Le Millennium Challenge Corporation poursuit son appui à l'extension du réseau électrique au Bénin. Désormais, l'entretien va être plus facile avec le don de 23 véhicules au gouvernement. Un don destiné à la société béninoise d'énergie électrique. Mes remerciements au Millennium Challenge Corporation pour sa volonté affirmée sans cesse d'accompagner le gouvernement du Bénin pour ce don de 391 millions de dollars. Le chemin parcouru a été long, mais ensemble, nous avons relevé les défis. Ces véhicules permettront à la SBE d'améliorer de façon significative la qualité de service et d'être plus proche de la clientèle. Ils nous permettront de soulager les équipes techniques, de faciliter les opérations de dépannage des abonnés. En plus de ces moyens de déplacement, 4 titres fonciers ont été remis. Ils portent sur des sites de construction de centrales solaires photovoltaïques. Le programme DMCA Bénin 2, à travers son projet de production d'électricité, a financé l'acquisition de 147 hectares de terrain à Boikon, Parakou, Djougou et Natitangou, site qui abriterait 4 centrales solaires photovoltaïques avec une capacité de 50 MW. Soit à peu près 18% de la demande nationale en électricité pendant la journée. C'est dont réjouissent le gouvernement béninois qui salue les efforts du Millennium Challenge Corporation. Il m'est très agréable d'affirmer encore que les moyens roulants et les titres fonciers qui sont remis aujourd'hui sont des symboles de la fructueuse collaboration entre le Bénin et le Millennium Challenge Corporation. Je veux, au nom du ministre d'État, ministre du Développement de la Coordination de l'Action Gouvernementale, président du Conseil d'administration du MCA Bénin 2, renouveler une fois encore ma gratitude au peuple et au gouvernement américain pour cet appui structurant et transformateur à travers le MCA Bénin 2. Le programme de MCA Bénin 2, à travers son projet de distribution d'électricité, a effectué d'importants investissements pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures au profit de la société béninoise d'énergie électrique, ce qui permet d'accroître considérablement la capacité initiale du réseau. Tout ceci a clap de fin pour la réunion des ministres de l'énergie de la CEDEAO, une rencontre qui finit en beauté avec une soirée de gala tenue à l'hôtel Orisha de Cotonou. Cet événement de convivialité est ponctué d'une cérémonie de remise de présents. Retour sur les temps forts de la soirée dans ce reportage. Après 3 jours d'efforts, les ministres de l'énergie de la CEDEAO et d'autres acteurs du secteur de l'énergie au niveau sous-régional s'offrent un moment de réconfort. Et pour ce rendez-vous festif, le moins que l'on puisse dire est que rien n'est laissé au hasard. Du décor au buffet, en passant par l'animation, toutes les conditions sont réunies dans cette salle pour une soirée riche en couleurs. L'occasion de cette soirée a été saisie par le secrétaire d'État à l'énergie pour exprimer, à travers un geste symbolique, sa gratitude à ses hôtes. Il
Il a été à son tour honoré par le commissaire infrastructure et digitalisation de la SUDUAO. Ce qui m'anime ce soir, c'est le sentiment du devoir accompli. Trois journées de travail qui permettent d'atteindre les objectifs que nous avions initialement, c'est-à-dire de faire avancer le marché de l'électricité. Mais en même temps, ce soir, c'est une soirée de convivialité qui nous a été offerte par la CDAO, qui nous a permis aussi de resserrer les liens. Et c'est toujours beaucoup plus facile de travailler ensemble quand on partage des moments comme celui-ci. Cette soirée de gala clôt définitivement les activités entrant dans le cadre de la 15e édition de la rencontre entre les ministres de l'énergie de l'espace CEDEAO. Je l'annonçais en début d'édition, la société de gestion des déchets de la salubrité SGDS étend ses services à d'autres communes du Bénin. Après celle du Grand Okoué, Parakou accueille depuis ce mardi une représentation de la société qui aura pour tâche la gestion moderne des déchets et de la salubrité dans la commune de Parakou. La cérémonie qui a consacré le lancement officiel des travaux s'est déroulée ce mardi 10 octobre 2023 à la place Hubert Koutoukou Manga. Reportage. Ce coup de balai lance officiellement les travaux de la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS dans la commune de Parakou. Après Cotonou, Porte Novo, Semekbodi, Abomekala, Viewida, Parakou entre ainsi dans le cercle fermé des communes bénéficiaires de cet ambitieux projet du gouvernement qui vise à moderniser la gestion des déchets solides et ménagers et renforcer la salubrité dans ces zones d'intervention. La SGDS est la concrétisation d'un rêve du chef de l'État, le président Talon, qui, en un mot, revient à rendre notre environnement sain et durable. Et la SGDS est inscrite dans cette stratégie et c'est la raison pour laquelle, suite aux instructions du conseil d'administration de la SGDS, toutes les diligences ont été accomplies et les actions ont été engagées avec le concours de M. le maire et de ce conseil municipal afin que ce jour arrive pour qu'on démarre par la première approche qui est l'approche salubrité. C'est un ouf de soulagement parce que le jour où j'apprenais que la SGDS doit intervenir à Parakou sur instruction du chef de l'État, c'était comme un rêve. La première personne à remercier, c'est le chef de l'État. Autour de ses collaborateurs, et devant l'ensemble des agents impliqués dans la réussite de ce projet, le maire de la commune de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a tenu à mettre les agents de la SGDS recrutés et formés à cet effet face à leurs responsabilités. Celle d'accomplir avec objectivité leur mission d'assainir la ville de Parakou. Soyez prudents, parce que c'est sur les rues que vous allez travailler. Vous allez travailler pendant que les gens sont en train de circuler. Vous avez été formé dans le domaine du code de la route. Vous avez été formé dans le domaine de la sécurité. Vous avez été formé dans le domaine de la prise en charge. Appliquez ce qui vous a été enseigné. Travaillez et le Seigneur va vous accompagner jusqu'à la retraite sans que quelqu'un d'entre vous n'ait de gratitude. La Société de gestion des déchets et de la salubrité a déjà fait ses preuves dans plusieurs communes du Bénin. Bientôt, celle de Parakou aura aussi cette belle image que présentent les communes d'intervention de la SGDS grâce aux agents déjà prêts à accomplir leurs tâches. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.